faire le point de la situation sanitaire au Gabon et évaluer l'action dans ce secteur en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. C'est le but de cette séance de travail qui réunit le président de la République, le premier ministre et le membre du gouvernement en charge de ce département ministériel. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous recevoir au cours d'une séance de travail qui consistait à regarder de manière globale le secteur santé, parce qu'il a instruit le gouvernement d'accélérer l'amélioration des soins de santé dans les hôpitaux publics et également d'intensifier la procédure de vaccination. Vous savez qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait 28% de la population vaccinée dans le cadre de la première dose et 23% qui ont un schéma vaccinal complet, il va falloir qu'on puisse accélérer. Ce qui veut dire que dans les prochains jours, nous allons intensifier justement les campagnes de vaccination afin de protéger les populations gabonaises. Le chef de l'État veut que ces populations soient en bonne santé. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des réfractaires par rapport à cette instruction. La rencontre du palais présidentiel fait suite à celle consacrée récemment au secteur de l'enseignement supérieur. Elle a permis d'explorer les voies et moyens pour l'élaboration d'une stratégie de riposte sanitaire encore plus efficace et mieux adaptée aux besoins des populations.